بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Merci beaucoup, Monsieur Jamil Ndour. Toutes mes salutations à vous, à vos auditeurs, ainsi qu'à tous les agents de la Radio Mbour FM. Qu'Allah accepte tous nos actes de dévotion pendant ce mois béni de Ramadan qui tire vers sa fin, d'où l'opportunité de ces questions que vous m'avez posées, à savoir qu'est-ce que le Mouroum Kor. Le Mouroum Kor, c'est la traduction en wolof de ce qu'on appelle en arabe Sadaqatu al-Fitri, qui signifie en français l'aumône purificatrice de la fin du mois de du jeûne du mois de Ramadan. Elle est obligatoire selon un hadith, c'est-à-dire une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agré, selon lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire l'effet de donner l'aumône purificatrice de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Pour tout musulman. Cet aumône est de sa, c'est-à-dire sa quantité, et de sa. C'est quoi un sa? Un sa est l'équivalent de 4 muddo. Et un muddo est l'équivalent de ce que peuvent contenir les paumes de 2 mains jointes qui ne sont pas ni trop petites ni trop grandes, c'est-à-dire qui sont de taille moyenne. Ce que ces 2 mains-là peuvent contenir de denrées alimentaires, la plus consommée de la localité. Et 4 fois, c'est ça. Alors, le ça. Mais il serait bon que les industriels ou bien les commerçants musulmans puissent aider alors leurs frères à avoir à leur disposition cette unité de mesure-là, ce pot-là. On peut le prendre et alors le reproduire. Et le faire répandre dans tous les pays musulmans. Avant d'arriver à cela, les savants ont essayé de nous donner l'équivalent de ce ça. Alors,
par rapport aux unités de mesure que nous utilisons. Il y a parmi ces savants-là le docteur Youssouf al-Qaradawi, qui fait autorité en la matière, du fait qu'il est un grand consulteur musulman qui traite les questions islamiques contemporaines dans ses écrits et dans ses fatwas, et qui a surtout écrit sa thèse de doctorat sur la zakat, que ce soit la zakat qu'on doit payer à la fin de chaque année lunaire musulmane, ou bien la zakat telle que l'aumône purificatrice de la rupture du jeûne. Lui, il dit que ce sar-là est estimé à 2,176 kg. Toute personne qui donne une quantité de 2,176 kg de la denrée alimentaire la plus consommée de sa localité, d'après Youssouf al-Qaradawi, ce grand spécialiste de la jurisprudence musulmane contemporaine, il a payé, il a donné l'aumône à leur purificatrice de la fin du mois de Ramadan. Et cette aumône, elle pèse, ou bien elle incombe aux personnes et aux têtes, sur les têtes, toute personne. Alors, pour celui qui doit la donner, c'est chaque père de famille qui doit la donner pour sa propre personne, mais aussi pour toutes les personnes qu'il a en charge sur le plan de la nourriture et de la défense quotidienne, tels que ses propres enfants qui ne sont pas encore majeurs, sa femme ou bien ses femmes, ses deux parents, et qui sont incapables de payer cette aumône pour eux-mêmes. Donc, tout père de famille est appelé à donner ça pour lui et pour toutes les personnes qu'il a en charge, telles que ces personnes que je viens de citer. Maintenant, une autre question liée à ce mouroumkor, est-ce qu'on doit la payer en nature ou bien en argent? C'est-à-dire, est-ce qu'on donne, on doit donner uniquement on doit la donner en denrées alimentaires, ou bien on peut la donner en argent? Et d'après aussi beaucoup de savants, parmi lesquels Dr Youssouf al-Qaradawi que je viens de citer, on peut bel et bien la donner en argent. Surtout, d'après lui, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus avantageux, beaucoup plus commode de la donner en argent. Pour celui qui la donne, c'est beaucoup plus facile. Mais aussi pour celui qui la recevoir.
Avant, on donnait ça en nature, surtout à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puisque il n'y avait pas l'économie monétaire. Il y avait ce qu'on appelle une économie basée sur le troc. Ce qui fait que si tu donnais des denrées alimentaires à un pauvre qui veut acheter des habits, ou bien d'autres nécessités de la fête, cela ne lui posait pas de problème parce qu'il pouvait donner cet arrêt alimentaire pour acheter tout ce qu'il veut parce qu'il y avait l'économie du troc. À cette époque-là, il n'y avait pas la monnaie. Ça ne lui compliquait pas les choses. Mais du fait qu'actuellement, c'est l'économie monétaire. C'est la monnaie qu'on utilise pour acheter ce dont on a besoin. On n'a pas à se figer en disant qu'on doit payer ça uniquement en nature. Ça complique les choses aussi bien pour celui qui la donne qu'à celui alors à qui on la donne. Parce que si vous donnez ça en denrées alimentaires à un pauvre, il serait obligé de revendre ça et à perte parfois. Et dans la plupart des cas même, parce qu'il est obligé de bazarder ça pour trouver quoi acheter d'autres choses. Alors, si vous lui avez donné alors, en argent, alors, le prix de cette quantité de denrées alimentaires, ça allait lui faciliter les choses. Cet avis est émis par des savants anciens tels qu'Abu Hanifa. Et certains des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'économie de la monnaie n'était pas aussi répandue, en plus forte raison à notre époque. Donc, c'est ça l'avis de beaucoup de savants. Alors, il est bon de le dire parce pour faciliter les choses aussi aux gens, aussi bien pour celui qui la donne qu'à celui qui la recevoir. Cette aumône-là aussi, on doit la donner avant la prière de la fête, de la rupture du jeûne. D'après certains savants même, y compris certains malikites, qui est l'école de la jurisprudence la plus répandue chez nous, on peut donner cette aumône 2 jours ou 3 jours avant la fin du mois de Ramadan, pour que celui qui la recevra puisse avoir le temps, alors, de préparer la fête avec ce qu'il recevra des autres avant même la fin du mois de Ramadan. Ça, c'est valable de donner ça 3 jours avant ou bien 2 jours avant. Alors, le temps où il devient, où elle devient obligatoire, c'est à partir du coucher du soleil pour le dernier jour du mois de Ramadan. C'est à partir de ce moment-là. Alors, qu'on doit la payer.
Avant, on peut le faire, il est permis, mais il n'est pas encore obligatoire. Mais dès que le coucher, alors du soleil, pour le dernier jour du mois de Ramadan, on est dans le temps de payer ça. Le temps obligatoire de payer ça a commencé. A commencé. Ce qui fait que les fuqaha disent, si une personne meurt avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan, le fait de payer cette aumône n'est pas obligatoire pour cette personne qui est mort avant. Mais s'il meurt après, on doit alors la payer pour lui. Ça continue jusqu'à aller à la prière, mais dans un autre hadith, après la prière, ce n'est plus une aumône purificatrice de la rupture du jeûne. C'est une aumône simple parmi celles qu'on peut donner. Pour ce qui concerne le temps où on doit alors donner cette aumône-là. Une autre question très importante, est-ce qu'on doit payer cette aumône pour un embryon, pour un fœtus qui n'est pas encore né? C'est un débat. Il y a Ibn Hazm, l'un des fuqaha, qui dit qu'il est obligatoire de la payer pour un fœtus si ce fœtus-là a 120 jours. C'est ça l'avis de Ibn Hazm. On doit la payer pour un fœtus qui a 120 jours. Pour d'autres, on ne doit pas la donner pour un fœtus qui n'est pas encore né. Mais il est alors bien souhaité de la donner pour un fœtus qui n'est pas encore né, sans que ça soit obligatoire. C'est ça surtout l'avis de Sayyidina Othman, qu'Allah l'agrée, l'un des plus grands compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Lui, il voyait qu'il est bon de payer, de donner cette aumône purificatrice, alors pour un fœtus qui n'est pas encore né. D'après Ibn Qudama, cet avis-là n'avait pas été contesté par qui que ce soit parmi les compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il est souhaité, il est bon de donner cette aumône, oui, sa bénédiction, pour que sa bénédiction tombe, pour que sa bénédiction atteigne le fœtus qui n'est pas encore né. Si quelqu'un vraiment en a la capacité et aime que cette bénédiction-là
vraiment touche le fœtus, je crois qu'il est très, 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 alors, bon, très souhaité, très recommandé. C'est la base de ce que faisait, alors, Sidna Othman Ibn Affan, et d'après Ibn Qudama, cet avis n'avait pas été contesté par qui que ce soit parmi les compagnons alors, du prophète Mohammed sallallahu wasallam. Maintenant, quelle est l'importance de cette aumône purificatrice pour le jeune homme? Masha'Allah, comme d'habitude, l'islam, dans toutes ses recommandations, il y a deux dimensions. La dimension transcendantale, pour demander et gagner l'agrément du Créateur, l'agrément d'Allah. Cet agrément-là est l'un des aspects qui montre l'importance de cette zakat-là. Car d'après Abdullah ibn Abbas, cette aumône est rendue obligatoire. Pourquoi? Pour purifier le jeûneur des futilités ou bien des imperfections ou bien des choses obscènes qu'il avait pu commettre, qui pouvait entacher la pureté du jeûne. Donc, pour réparer toutes ces choses-là, ça fait partie des visées, alors, pour lesquelles on a rendu obligatoire cette aumône. Cet aspect-là montre alors l'importance de cette aumône pour ce qui concerne son rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, car cela purifie son jeûne des imperfections et qu'il a pu alors commettre dans sa langue ou bien par les autres organes. C'est la cause pour laquelle les savants disent que autant que Sujudu Sahwi, c'est la génuflexion de l'oubli qu'on fait pour réparer certaines erreurs qu'on a pu commettre dans la prière. Autant que ce yodu servi-là, cette génuflexion de l'oubli-là, ou bien de la distraction-là, répare les erreurs commise pendant la prière, autant aussi cette aumône répare les imperfections qu'on a pu commettre pendant le jeûne du mois de Ramadan. Donc voilà un des aspects de son importance.
qui purifie davantage alors son jeûne, ce qui renforce la dimension transcendantale, c'est-à-dire son rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre dimension que toutes les recommandations islamiques prennent en compte, c'est la dimension entre le croyant et ses semblables, c'est-à-dire les gens avec qui il vit. C'est cette dimension sociale, c'est cette dimension de la solidarité qui constitue alors l'autre importance de cette aumône. Car disait toujours Abdullah ibn Abbas dans ce même hadith, alors l'autre objectif vise à donner aux pauvres alors quoi se nourrir et nourrir les membres de sa famille. Donc cette solidarité et cet aspect social fait partie des visées, fait partie alors des objectifs de cette aumône qui montre son importance sur le plan social. Mais disait aussi Dr Yusuf Al-Qaradawi, que j'avais cité, que cette aumône aussi alors vise à entraîner tous les membres, les riches et les pauvres, à donner de ce qu'ils ont. Les riches donnent aux pauvres et les pauvres, même s'ils trouvent quoi nourrir leur famille, ils donnent aussi de leur part de ce surplus-là. Donc ce qui fait que autant que les riches donnent, les pauvres aussi donnent, ce qui les apprend à être généreux. Ce qui apprend à tout le monde, alors, à mettre la main dans la poche pour donner aux autres. Cet aspect aussi, fait partie alors des visées ou bien des objectifs ou bien de la sagesse de rendre cette aumône obligatoire. Qu'Allah accepte de nous tous. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.